Nous allons voir comment ajouter des boutons sur un Raspberry Pi. Pour cela, nous allons brancher deux boutons. Le premier va redémarrer notre Raspberry Pi et le deuxième va l'éteindre. Tout d'abord, branchez le premier bouton sur la broche 19 du Raspberry Pi. Puis, branchez le deuxième bouton sur la broche 26. Ensuite, reliez la deuxième broche des boutons ensemble. Enfin, reliez les deuxièmes broches des boutons à une broche GND du Raspberry Pi. Nos boutons sont prêts. Il nous faut maintenant installer le module bouton et le configurer. Allumez votre Raspberry Pi. Connectez-vous au terminal. Mettez-vous en route en tapant /pi/start. Tapez /pi/install bouton pour installer le module bouton. Le module bouton contient un programme qui va surveiller si un bouton est appuyé. Si c'est le cas, il va exécuter une commande de notre choix. Vous pouvez modifier les actions du bouton en tapant /do/bouton/setting. Ici, nous avons le bouton B19 et le bouton B26. Chaque bouton a deux paramètres, action et timer. Pour modifier les actions d'un bouton, il suffit de changer la ligne action. Nous allons paramétrer le premier bouton pour qu'il éteigne notre Raspberry Pi lorsqu'il est appuyé. Mettez dans la ligne action la commande Power Off. La ligne Timer permet de limiter le nombre de fois où la commande sera exécutée quand le bouton reste appuyé. Par défaut, la commande est répétée toutes les secondes. Si nous mettons le timer à 60 secondes, l'action ne sera répétée que toutes les 60 secondes si le bouton reste appuyé. Pour le deuxième bouton, nous allons mettre comme action Reboot, afin qu'il redémarre notre Raspberry Pi. Il ne nous reste plus qu'à sauvegarder notre configuration en appuyant sur CTRL-O, puis Entrée, puis quitter l'éditeur de texte en appuyant sur CTRL-X, Entrée. Lorsque vous quittez l'éditeur de texte, le service bouton redémarre automatiquement. Appuyez sur le bouton 2. Ceci devrait redémarrer votre Raspberry Pi. Si vous voulez plus d'informations, allez voir les liens dans la description. Comme pour chaque vidéo, un tutoriel écrit est disponible sur mannerd.org.